l'étoile des stars avec France. À mon amour. Bonsoir Lille. C'est pas la première fois que vous venez au Cameroun. Quelles sont vos relations avec le Cameroun? L'amour, que de l'amour. J'adore le Cameroun. Et il me le rend aussi très très bien cet amour. Donc voilà, je me sens chez moi. C'est à quelques heures de Kinshasa, donc ça mange bien. Les gens sont gentils. Puis je me sens chez moi, quoi. Et puisque vous vous sentez chez vous, vous avez deux magnifiques concerts qui sont annoncés le 11 février et le 13 février. D'abord au Canal Olympia à Douala et ensuite ce sera au Palais des Sports à Yaoundé. Pour ce qui est de Douala, qu'est-ce que vous promettez à cette jeunesse qui vous attend? Ouais, personnellement, en tant qu'artiste, je pense que je ferai le plus grand show de l'année 2021. Donc voilà, ça sera un vrai show. Et puis là, pour la jeunesse, voilà, restons solidaires, respectueux, avoir des ambitions, être déterminés. Et puis surtout, bonne année 2021. Je sais que Covid nous fatigue un peu, mais restons positifs et puis il faut relativiser. Voilà. Et pour le grand bal du Palais des Sports de Yaoundé, puisque ce sera le 13 février, ce sera un moment où on va célébrer l'amour, puisque le 14 février, ce sera le jour du lendemain. Est-ce que dans votre répertoire, qu'on sait déjà 90% amour, love story, est-ce que ce sera le cas sur la scène? On va essayer de faire... C'est vrai que, bon, pour les gens qui me connaissent, mes concerts, c'est souvent l'amour, mais ça danse. Il y a la lumière, il y a l'énergie. Bon, il y a palais de sport de Yaoundé. Et comme d'habitude, on blinde d'abord le palais. Et ensuite, moi, je vous donnerai le meilleur show 2021 du côté de Yaoundé aussi. Donc, je suis prêt, je suis déjà là. Et voilà. Donc, pour ce qui est de mon répertoire, je vais parcourir mes hits, mes classiques. Et évidemment, on aura Ta Casse, bien sûr. Puisque c'est le dernier album. Bien sûr, on va décortiquer plusieurs titres de l'album Tokos 2. Voilà. D'accord. Et vous invitez les femmes, surtout parce que les femmes, de plus en plus, sont amoureuses de vos chansons, mais aussi de vos coups de rein. Ouais, c'est vrai que moi, j'aime bien qu'on m'aime. Je déteste qu'on me déteste. Et les femmes savent que je suis quelqu'un de bien. Roussel m'adore. Et puis, voilà, je suis plutôt gentil. Donc, je chante pour la femme. Donc, je vous donne rendez-vous le 13 au Palais des Sports de Yaoundé pour un super show. Vraiment. Et puisque vous êtes gentil, justement, on a constaté que vous ne serez pas seul sur la scène à Douala. Il y a plusieurs artistes camerounais qui vont vous accompagner. On a Coco Argenté, on a Magasco, on a Kossi, on a Tenor, on a Blanche Bailly, on a Aviro Diaz, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la musique camerounaise? Je suis sûre que vous les écoutez, vous l'avez déjà rencontré. Oui, bien sûr. D'abord, vous savez, comme j'ai l'habitude de dire... La musique congolaise et la musique camerounaise, la musique ivoirienne, c'est... Les frères et sœurs. Frères et sœurs, voilà, cousins, cousines. Et j'ai eu la chance de découvrir... Aviro Diaz. J'ai regardé une fois la télévision, c'est qui cet artiste? Et je l'ai croisé à Abidjan, donc voilà, ça me fera plaisir de partager la même scène avec lui. Et notamment, il y en a d'autres, il y a Chanel qui est là, il y a... Magasco, il y a d'autres artistes. Et en passant, j'en profite pour souhaiter mes joyeux anniversaires à mon jeune frère Stanley. On comprend que vous maîtrisez parfaitement le répertoire camerounais, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'il y a des featuring? Parce que quand on regarde Fally Ipupa, c'est au niveau international. Aujourd'hui, vous avez fait des featuring avec R. Kelly, avec Matt Pokora. Aujourd'hui, on a Chanel tout à côté au Gabon. Est-ce que le Cameroun sera sur votre liste? Et si oui, est-ce que vous avez déjà un nom? Ben, j'ai déjà fait. On a une collaboration récente avec Stanley. On a un titre, je sais pas. Hey, Stanley, t'as pas promotionné le titre ici ou quoi? Ou il vous aime pas assez pour balancer, pour pousser le son? On l'a déjà fait, hein. Il faut fouiller. Une dame, parce que je revendique le genre. Ah, une dame. Oui. Mais bien sûr, j'ai mon ami Charlotte Dipanda. On avait un projet, mais ça viendra. Et puis elle s'appelle. Blanche Bailly. Non, celle qui chante. Ah, comment elle s'appelle, elle va me...
Daphné. Daphné, voilà. Ouais. Daphné aussi m'avait proposé un titre. Okay. Mais ça viendra. Voilà. Et puis, on devait faire un titre avec la Queen. Lady Ponce. Lady Ponce, ouais. Ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Et on espère qu'avec le Covid-19, les choses vont s'améliorer et vous permettre de travailler. Ouais. Deux rendez-vous à retenir donc, ce sera le 11 février à Canal Olympia. Les tickets sont encore disponibles et le grand bal, réveillon. Le Canal Olympia, il nous reste peut-être 5 tickets et puis il n'y aura plus rien. Par contre, Yaoundé... Palais des Sports, comme d'habitude. Blendez ça et puis vous aurez un droit super chaud. Et le message donc pour sortir, puisqu'on a la chance de vous avoir, nous sommes en période de crise sanitaire qui a pratiquement paralysé toute l'industrie, l'événementiel. Vous l'avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure, ce sera quoi pour sortir et permettre à Alain Issinkanga de poursuivre avec le journal? Voilà. Toujours avec vos masques et respecter les mesures barrières. Voilà. Donc venez masquer, c'est pas grave. on va faire quand même la fête. Et puis restons positifs, faites vos tests. Et Torcos 2 est dispo. Écoutez l'album. On est ensemble. Aigle. Merci à vous, Fally Ipupa, voilà, d'être passé et accorder cette interview exclusive à Canal 2 International. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que votre nom, c'est Faustin Ipupa Simba, le Quinois. Faustin, c'est mon papa. Et les gens, il y a quelqu'un qui a mis sur Internet et puis les gens... Non, Faustin Ipupa, c'est Ipupa, mon père. C'est le papa. Moi, c'est mon vrai prénom. Fally Ipupa Simba. Le Quinois. D'accord. Non, pas les Quinois, le Panafricain.